Oui, je vois, je vois. Bonjour. Bonjour. Alors? Alors voilà, alors là, j'ai le complet, hein. Le papier A en tête, les enveloppes assorties dorées à leur fin, le chevalet plaqué or, vos tampons et les seaux à la cire. Et alors, les stylos assortis de votre sigle, hein. Ah, c'est joli, hein. Ces deux M croisés. Non, mais ça, Marc et Malois confondus. Oui, non, oui. Ça allie la classe à la dignité. Oui. Non, c'est fascinant, hein. Oui, fascinant. Bon. Et le reste? Vous avez le reste? Oui, oui, bien sûr, c'est sur le palier, hein. Ah, dépêchez-vous, j'ai pas que ça à faire. Oui, oui. Voilà. J'arrive. Voilà. Benoît! Viens ici! Oui? Oui, tonton, qu'est-ce qu'il y a? J'ai une surprise pour toi. Oh, une surprise! Fais voir, fais voir, fais voir. Voilà. Tonton, tu veux quand même pas que je me balade dans la rue avec ça? Ah, bah évidemment, c'est fait pour. Hein. Oui, et puis il est exactement adapté à votre taille. Ça, Marc a beaucoup insisté. Hein. C'est au centimètre près. Bon, d'accord. Non, mais attendez-moi, il est hors de question que je mette ça. Et pourquoi, je te prie? Mais parce que, écoute, tonton, moi, je veux bien faire tout ce que tu veux, mais alors, jouer les hommes sandwich dans la rue avec ça, non. Mais je vais avoir l'air de quoi, moi? Alors, Benoît, ça suffit comme ça. Hein. T'es mon neveu. Oui, mais bon. Alors, si t'es mon neveu, mon fils est ton petit cousin. Et tu devrais être fier de travailler pour ce petit enfant. Tu vas pas gâcher son avenir sous prétexte que tu te sens ridicule. Non. Et l'honneur, t'imagines l'honneur de porter mes couleurs, Benoît? Oui, bon, d'accord, bah vu comme ça, si tu crois vraiment que ça peut t'aider... Ah bah je crois pas, j'en suis sûr. Un prospectus grandeur nature, ça a bien plus de poids qu'un simple papier à en tête, tu comprends? Bon. Ça va pénétrer directement le cœur de mes clients. Et de mes clientes. Tiens, mets ça. Allez. Hop là. Oh, ça c'est magnifique. Non, c'est splendide, hein. Mon petit Benoît, je suis fier de toi. Maintenant, tu fais partie de la famille. Allez, vas-y, Benoît, fais ton devoir. Oui, bon, d'accord. Allez. Fatigant de convaincre les gens comme ça. Bon, je vais faire une petite sieste en attendant mes futurs clients. Mettez un peu d'ordre, Thérèse. Hein. Oui, Marc. Bien sûr, Marc. Cette histoire. Dis donc, Steph, je comprends pas. On a bien acheté un gigot d'agneau et un roast beef hier soir, non? Bah oui. D'ailleurs, tu le sais, on l'a même mis dans le réfrigérateur en revenant du marché. Bah oui, c'est bien ça, j'ai pas rêvé. Non, je comprends pas. Ils sont plus là. Bah, ils sont où? Ils sont passés où? Tu veux dire qu'ils y sont pas? Bah, non, ils y sont pas. Tiens, viens, regarde. Je comprends pas. Tu vois? Ben oui, c'est bizarre. Oh, attends, c'est peut-être Sabine ou Claire qui les ont mis au congélateur. T'as regardé? Ben bien sûr, j'ai regardé. Non seulement il n'y a rien dans le congélateur, mais il n'y a carrément plus la moindre miette de viande ni dans le congélateur ni dans le frigo, alors... Oh non, mais attends, tu vois, Sabine, qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais je comprends rien. Ça, franchement, je... Regarde, j'ai regardé partout. Voilà, et derrière ça... Bonjour, mes petites soeurs chéries. Qu'est-ce que c'est, si... Bonjour, Claire. Oh, salut, fait Claire. Du café? Du café? Oui, je viens d'en refaire du frais. Mais c'est fou, écoute. Qu'est-ce que vous faites là, toutes les deux? Tu sais ce qu'on fait? On est en train de chercher un gigot d'agneau et un roast beef qui ont disparu comme par enchantement. Ah ça! Bon, c'est inutile de chercher, va. J'ai tout fichu à la poubelle. Il ne reste plus un seul morceau de viande dans ce réfrigérateur. Hein? À la poubelle? Attends, qu'est-ce que tu veux dire par j'ai tout fichu à la poubelle? Attends, Claire, cette viande, elle était super fraîche. Enfin, on est allé chez le boucher hier soir avec Steph et je t'assure, il a tout préparé devant nous. Ce n'est pas une question de fraîcheur, Karen. Je te rappelle qu'en tant que végétarienne, je ne supporte pas qu'on me présente ces horribles choses sanguinolentes sous le nez. Oh. Comment? Tu as très bien entendu. Et j'ajoute que je ne supporte pas non plus qu'on ingurgite devant moi la chair de ces pauvres petits animaux sans défense qu'on égorge sans vergogne. Non, mais tu es tombée sur la tête, Claire. Non, mais me dis pas que t'as jeté notre dîner de ce soir à la poubelle pour ça. Mais ne vous inquiétez pas.
Vous verrez, vous me remercierez toutes les deux. Je vais prendre en main votre santé psychique et physique. Mais dis donc, là, d'abord, on t'a demandé quelque chose. Elle a raison, Steph. Et puis alors, tu sais, notre santé physique et psychique, elles vont très bien, merci. Mais ça, c'est ce que vous croyez? Mais comment voulez-vous purifier votre corps si vous y mettez n'importe quoi? Je vous le demande. Mais on se fiche de ce que tu nous demandes. Oui, oui, excuse-nous d'exister, chère soeur, mais tu vois, nous, on adore la viande. Alors toi, si t'as envie, tu t'occupes de ta propre santé, mais tu laisses la nôtre tranquille, d'accord? Exactement. Puis alors, tu sais ce qui serait sympa, hein, pour nous faire plaisir? Eh ben, tu cours chez le boucher dès ce matin, et puis tu nous ramènes un énorme gigot d'agneau avec un monstrueux roast beef, ok? Ah non, ça, pas question. À partir de maintenant, moi vivante, il n'y aura plus un seul morceau de chair animale qui passera la porte de cet appartement. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est compris? Mais qu'est-ce qui vous prend d'hurler comme ça? Des lauves. Excuse-nous, Sabine, mais tu vois, on avait une toute petite discussion avec... Oh, ouais, bah comme d'habitude, quoi. Oh là 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 là. Vous pouvez pas arrêter une minute, non? Je suis épuisée, moi. Je vois ce que c'est. T'as encore dû inscrire une nouvelle nuit de folie à ton palmarès, c'est pas ça? Ouais, ouais, c'est à peu près ça. J'ai rompu avec mon dernier amant. Non. Alors vous imaginez le chou d'enfer, les cris, les larmes. Oh là là, moi je tiens plus debout. Hein. Tu parles de Stéphane? Mais non, c'est vieux Stéphane. Non, celui-là il s'appelle Patrice. Patrice? J'ai jamais entendu parler. Patrice, je sais qui c'est. C'est le nouveau prof de gym, c'est ça? Non, c'est mon boucher. Hein? Ah, c'est ton boucher. Oh, Claire, oh, Claire. Non, non, moi je vous jure, j'aurais pas dormi de la nuit. Un boucher pareil, un mec qui découpe les gens comme ça à un tour de bras et qui est en plus dans le quartier. Quelle horreur. Non, tu sais, Adeline, moi je vais plus vivre. Moi, je vais te savoir dehors comme ça par les temps qui courent, c'est pas possible. Mais enfin, Gérard, maintenant, je suis une grande fille. Je peux me défendre toute seule. Parce que les filles qui l'a transformée en viande à barbecue, c'était pas des grandes filles, peut-être. Ah non, 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 tu prends les choses à la légère, moi je te le dis. Bon, bah, Tom, tu trouves, qu'est-ce que tu fais? Bah non, pas encore, Gérard. En première page, ils annoncent le portrait robot du tueur, page 9. Alors, regarde, page 9, écoute. Ah, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Page 9. Page 9. Ah, voilà. Oh, bah, montre. Oui, enfin... Quoi? C'est un peu vague. Hein? Regarde. Mais qu'est-ce que c'est? Mais tu dois faire avec ça? Mais c'est un homme sans visage. Enfin, Adeline ne pourra jamais repérer un homme sans visage, Tom. Mais attends, ils me donnent en plus de détails. Là. Regarde, ils disent... il est brun, grand et plutôt costaud. Voilà. Mais ça peut être tout le monde et n'importe qui, grand, brun, costaud. Mais ça pourrait être moi, ou toi, Tom. Oh, maman, ça me fait peur, c'est peut-être l'un d'entre vous, mon Dieu. Ah, non, j'aime bien la surprise. Ah. Mais ça va pas, tous les deux. Mais ça fait des choses pareilles. Oh, ça va, Gérard, on essayait juste de détendre un petit peu l'atmosphère. Ouais, parce que t'as l'air si stressé par cette histoire, Gérard. Comment ça? C'est marrant, Tom. Et mets-toi à ma place aussi. Et c'est vrai, quoi. Moi, je me sens responsable, Adeline, tu comprends? Alors, s'il lui arrivait la moindre chose, ben, je m'en remettrai jamais. Moi, je m'en remettrai jamais. Oh, je sais, mais je suis capable de me défendre. Non, ça suffit pas. Adeline, je vois plus une chose maintenant à faire. Adeline, je suis désolée, mais il faut plus que tu sortes. Donc ce tueur qu'on appelle le boucher, oui, erre dans les rues, je suis désolé, c'est comme ça, oui. Mais enfin, Gérard, mais... Il n'y a pas de mais. C'est trop grave, j'ai trop peur, moi. Mais moi, j'ai des courses à faire. Bah, je peux aller à ta place, si tu veux, Adeline. Ah non, Tom, c'est pas possible, c'est non. Bah, comment ça, non? Non, 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 Tom, je veux plus prendre de risques. Je veux pas que tu lâches Adeline d'un pas, tu comprends? Bah oui, on sait jamais. J'imagine très bien le scénario. Toi, t'es en bas... À faire tes courses, moi je suis en bas dans la salle de sport. Aline, elle est seule, elle gambade dans l'appartement. Tout d'un coup, la sonnerie retentit. La petite innocente, la loupe, ça fait feu! Ça fait feu! Gérard! Qu'est-ce que c'est? Gérard, ce n'est que la sonnerie de la porte, Gérard. C'est bon. Mais enfin, Gérard, on est trop dans l'appartement, alors qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive? Bon, Tom, je crois que c'est toi qui vas aller ouvrir la porte, hein? Bon, Gérard, j'y vais. Hein? J'y vais, hein? Ah! Ça va? Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Bah, tu vois, c'est seulement Benoît! Ça va, je vous dérange pas? Ben non, voyons, entre! Salut, Benoît! Bonjour, Benoît!
Voilà. Tu sais, mais tu m'as fait une de ces peurs, toi aussi, faut dire. Bon, à moi? Mais... Ah, c'est à cause de ce truc-là que j'ai sur moi, là, c'est ça? Bah oui, c'est assez bizarre comme accoutrement. Oui, mais c'est mon oncle qui m'a demandé de porter ce truc pour faire sa pub, voilà. Ah, d'accord. Oui, oui, je sais, c'est ridicule. Si, c'est ridicule. Non, c'est... Oui, bah si, si. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez, ça? Tonton, depuis qu'il a sa société, il a de ses lubies en ce moment. Enfin, c'est mon oncle, hein, qu'est-ce que vous voulez? Je suis obligé de faire ça pour lui faire plaisir. Puis si c'est pas moi qui fais, qu'est-ce qu'il va le faire? Dans cette session, il n'y a personne. Oui. C'est bien de l'aider, bravo Benoît. Oui, puis tu sais, ben, c'est pas grave, monsieur Sandwich, ben, ça veut autre chose. Hein. Puis il n'y a pas de sous-métier, tu sais, dans la vie, Benoît. Oui, ben, oui. Oui, j'ai déjà entendu ça, quelque part. Oui. Enfin, voilà quoi. Bon, ben allez, faut que j'y aille, moi, parce que j'ai pas le tout, mais si je veux finir ma journée, faut. Attends, que... tu descends, Benoît? Oui. Ah, attends, je suis avec toi. Ah oui, je vais en profiter. Pardon. On sait jamais, tu sais, c'est une mauvaise rencontre, tout ça. Puis toi, avec ta. Oui. Ta carapace, quoi, bah, on risque rien. On y va. Allez. Oh, puis vous deux, vous ne sortez pas, hein. C'est pas normal. Oui, promis, Gérard. Promis, Gérard. Bon. Déjà? Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est de la promo express? Ça fait à peine une demi-heure que t'es parti. Oui, mais il pleut. Voilà. Alors je suis venu chercher une casquette. Parce que ton panneau, là, il couvre tout ça, là, mais alors la tête, non. Ah, mais une casquette et dépêche-toi de retourner voir tes clients. Ouais, on y va. Ah, dis donc, ouais, je viens de voir Gérard. Il est dans un état. Ah bon, Gérard? Mais qu'est-ce qu'il a? Oh, c'est à cause d'un tueur en série qui rôde dans le quartier. Oh. On l'appelle le boucher parce qu'il découpe ses victimes en petits morceaux. Ah, ah. Voilà. Gérard est omnubilé par cette histoire. Il est persuadé qu'il va s'en prendre à Adeline. Pourquoi? Le tueur ne s'attaque qu'aux brunes? Non, même pas. Mais Gérard se fait un cinéma autour de cette histoire. Il est dans un état, là, si tu voyais, il voit des assassins partout. Alors il a carrément interdit à Adeline de mettre le nez dehors. Oh là 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 là. Tant mieux! Je préfère qu'elle soit enfermée quand je suis occupé. Bon, ben dépêche-toi, toi. Oui. Oh, ça c'est un client. Oh, ça je le sens. Je le sens, c'est un client. Planque-toi dans la cuisine. Oui, hop, on y va. Viens. Prêt, Marc? Prêt. Bonjour, madame Pichardot. Ah, bonjour, Sabine. Bonjour, Marc. Bonjour, Sabine. Ah, c'est vous, Sabine, bonjour. Bonjour, Benoît. Voilà, Marc, je suis venue vous demander un service. Vous pourriez mettre ça dans votre frigo? Bien sûr, c'est quoi? C'est un roast beef. Mais pourquoi? Il est en panne, votre réfrigérateur? Mais non, c'est pas ça, c'est clair. Vous comprenez, elle est devenue végétarienne, alors... La vue de la viande rouge la rend malade. Mais c'est bizarre, ça. Bah, c'est clair, quoi. Bah, Benoît, mets le roast beef au frigo. Oui, tout de suite, frigo, hop, là, c'est parti. Dites, Marc, il est grand, votre frigo? Ah bah, il est normal, pourquoi? Parce que je risque d'avoir d'autres roast beef. Mais vous avez des parts dans une boucherie? Mais non, c'est pas ça. C'est mon examen qui est bouché. Alors on vient de rompre, il supporte pas la rupture. Et il m'envoie des roast beef au lieu de m'envoyer des fleurs. C'est son truc, quoi. Alors entre Claire et le roast beef, je me sens un peu coincée. Vous inquiétez pas, Sabine. Il y aura toujours dans mon frigo de la place pour un petit morceau de viande. Oh, c'est sympa, Marc. Bon, et... Ben, je vais rejoindre les filles à la salle de sport. Ah ben, je vais venir avec vous faire du sport. Ça va me détendre. Mais et s'il vient un client? Vous gardez la boutique, Thérèse. Et si jamais il y a un client, vous venez me chercher à la salle. Quant à toi, Benoît, tu remets ta pancarte et tu retournes dans la rue. Les clients vont pas venir ici par magie. J'y vais. Je prends une casquette, j'y vais. Oh. Mais Marc, mais quelle organisation! Oh, vous savez, pour réussir, Sabine, un chef d'entreprise doit toujours avoir l'œil sur tout. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous suis. Allez. Voilà. Voilà, ça va comme ça? Non. Alors tu dis que le tueur dont tu parles en est déjà à sa 7e victime? Mais oui, puisque je vous le dis. Mais Gérard, oui. Vraiment, il les découpe en morceaux. Et puisqu'on l'appelle le boucher, il découpe ses victimes en côtelettes. Oh, Gérard, arrête, s'il te plaît, tu me soulèves le cœur. Oui, bah peut-être, Claire, mais faut regarder la réalité en face. Ça sert à rien de faire l'autruche. Il en fait des côtelettes de ses victimes. Des côtelettes, je te dis, des côtelettes. Mon Dieu, excusez-moi.
Mais ben, qu'est-ce qu'il y a avec... Qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais t'inquiète pas, c'est pas grave, mais... Non, Gérard, imagine que notre chère sœur s'est mise en tête de devenir végétarienne. Alors, bien sûr, tu comprends ton histoire de tueur qui découpe les gens en morceaux, bah, tu peux imaginer que ça lui soulève le cœur, non? En plus de ça, elle supporte même plus de voir un roast beef dans notre frigo. Mais ça, c'est vrai. Ah oui, forcément, pour une végétarienne, c'est l'horreur. Elle est partie où, là, comme ça? Bah, aux toilettes, je crois. Ah, pourquoi? Mais toute seule? Avec ce tueur qui rôde? Non, mais enfin, calme-toi, Gérard. Pas dans les toilettes de ta salle de sport, enfin, sois sérieux. Mais Karine, tu te rends pas compte? Mais par les temps qui courent, mais un assassin, ça assassine. Mais oui, n'importe où, mais n'importe qui, n'importe quand, n'importe... Mais non, mets du temps là pour revenir. Mais Gérard! 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 Là, non, mais ce pauvre Gérard, c'est... On va pas le refaire. Un poule, hein, t'as raison. Il est unique. Voilà, Marc et Sabine. Ah, salut, filles. Salut. Bonjour. C'est Jean-Marc. Ah, au fait, Sabine, fallait que je te dise. On a eu une tonne de messages pour toi depuis que t'es partie. Ah bon? De qui? Devine. De Boucher, bien sûr. Ah. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que celui-là, c'est un acharné, hein. Non, mais écoute plutôt. Il nous a appelé, c'est vrai, hein, 14 fois en moins d'une demi-heure, simplement pour être sûr d'avoir la bonne manière de te conquérir. Oh là là. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça, moi? Bah, envoyez-le moi, ce sera plus simple. Bonjour, Marc. Ah, Marc. Bah, j'ai un appel pour toi, Madame Pichardot. Il paraît qu'il y a un client qui t'attend dans ton bureau. Enfin, décidément, avec ce job, pas une seconde de répit. Bon, bah, salut les filles. Au revoir, Marc. Au revoir, Marc. Bye bye, bonne chance. Bon, alors, ouais, les filles, si on parlait de mon boucher. Bon. Qu'est-ce qu'elle a, hein? Non, t'inquiète pas, c'est pas mal. Comme je vous l'ai dit, cher monsieur Lefranc, vous avez choisi le bon endroit et vous avez fait le bon choix. Ouais, j'étais là, perdu. J'attendais planqué sous un porche, à cause de la pluie, bien sûr. Oui. Et puis j'ai vu votre homme sandwich dans la rue, avec la pub. Et puis là, ça a fait tilt. C'était ça. C'était ça qu'il fallait que je fasse, vous comprenez? Ah ben, bien sûr. Vous savez, comprendre, je suis là pour ça. Alors, je viens de vous le dire, vous avez fait le bon choix. Mais alors, c'est vrai? Vous pouvez résoudre tous les problèmes? Ah ben, évidemment. D'ailleurs, quel est exactement votre problème, monsieur Lefranc? Là, voilà. Je suis amoureux d'une femme extraordinaire. Oui. Mais alors merveilleuse. Le problème, c'est que... J'ai peur qu'elle m'aime plus jamais. Plus jamais. Parce que... Je peux vous parler franchement? Ah, bien sûr, allez-y, allez-y. Ben... C'est moi qu'on appelle le boucher. C'est moi qui découpe. Ah bah, mais c'est normal que vous découpiez si vous êtes boucher. Ouais? Vous trouvez? Bah, bien sûr, il faut assumer ce qu'on fait. Vous découpez. Il faut aimer ça. Continuez à découper, voyons. C'est vrai? Je peux? Vous faites bien votre travail, au moins. Ah, ça, je suis un as. Je travaille très, très proprement, vous savez. Eh bah, alors, où est le problème? Continuez à découper. De temps en temps, vous alternez avec de la viande hachée. Enfin, si on parlait plus particulièrement de cette femme extraordinaire. Elle est blonde, je parie. Ouais? Comment vous le savez? L'intuition! L'intuition. Et je suppose que c'est pour elle que vous découpez de façon effrénée. Je me trompe? Non, c'est pour elle. C'est rien que pour elle. Je m'en doutais. Mais alors? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'elle m'aime? Continuer? Non. J'ai autre chose à vous proposer que de continuer à découper des roast beef comme ça. Vous me faites confiance? Ah, oh bah, ça, monsieur Malois, je vous fais toute confiance. Très bien. Alors, voilà comment nous allons procéder. Excusez-moi, certainement un autre client. Oh! Eh bien voilà, comme je l'avais pressenti, un autre roast beef. Merci. Alors, vous tombez bien, Sabine. Regardez qui est là. Bonjour, monsieur. Mademoiselle. C'est qui? C'est pas le trancheur de roast beef? Ben non. C'est le tueur! Il y a qu'un seul boucher ici et c'est moi! Moi! Et je la trouve parfaite, moi, cette blonde! Viens ici, ma belle, viens! Viens!
Non. Non, je peux pas. Je peux pas vous faire de mal, monsieur Malloy. Vous êtes tellement bon. Y a que vous qui m'avez parlé de façon humaine. Je peux pas. Je peux pas. Appelez la police. Je me rends. Monsieur Malloy, s'il vous plaît. Oui. Je peux avoir votre profil gauche? Bien sûr, voilà. Oh. Parfait, merci. Monsieur Malloy, je peux vous interroger juste après? Oui, juste après, s'il vous plaît. Oh là là, Marc, vous savez ce que vous avez fait, c'est vraiment géant. Oh, vous savez, Adeline, finalement, je n'ai fait que mon métier. Bravo, monsieur Malloy. Comment ça, Marc? J'ai tout de suite vu que c'est le boucher. Alors j'ai décidé de le coincer. Comme il venait pour un conseil, je l'ai fait parler. Parler pour gagner du temps. Bah oui, mais le tueur, qu'est-ce qu'il t'a dit, Marc? Il vous a parlé? Évidemment, évidemment. Alors je savais qu'elle avait craqué. Mais il fallait lui faire tout avouer. Alors j'ai gagné sa confiance. Mais ça a été dur de rester de marbre. Parce que lui, il m'a raconté tous ses crimes. Avec des détails monstrueux, atroces. Oh, voilà. Mais vous, mon petit Marc, hein, vous n'avez pas craqué. Remarquez, ça ne m'étonne pas. Hein. Vous êtes si fort, si viril. Ah, un vrai héros. Bravo, monsieur Malloy. Oh, vous savez, Thérèse, je n'ai écouté que mon instinct. Oh, non, dis pas ça, Marc. Non, franchement, là, je suis de l'avis de madame Pichardot. Tu as été d'un héroïsme extraordinaire. Il n'y a pas d'autre. Oui, c'est vrai. En fait, c'est inutile que tu sois si humble, parce que moi, je t'ai trouvée extrêmement courageux. Mmh. Ouais, bravo, Marc. Hein. Je ne sais pas si je n'en fais autant que vous. Oh, faut pas exagérer, Tom. Je suis sûre que si. Oh, moi aussi, j'en suis sûre, Tom. Vous avez du tempérament, vous aussi. Oui, mais vous savez, Claire, pour être un héros, il faut autre chose que du tempérament. Ah oui, quoi d'autre, Marc? Il faut de la maîtrise de soi. Énormément de maîtrise de soi. Moi, je suis sûr que si je m'étais trouvé face à face avec le boucher, je me serais bien tremblé comme une feuille et puis j'aurais perdu les pédales et puis c'est tout. Oh là là, moi aussi, je crois que... Déjà, rien que d'y penser, ça me fait froid dans le dos. Bon, eh bien, moi... Excusez-moi. Je propose qu'on porte un toast. Oui. En l'honneur de Marc. Ah oui, oui. Marc qui a risqué sa vie tout de même. Oui, c'est vrai, j'ai risqué ma vie. Ouais. J'ai risqué ma vie. J'ai risqué ma vie.